Bonjour à tous, c'est l'homme tout plaît, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, je peux vous dire un truc, c'est qu'après la dernière vidéo, j'ai plus aucun hémorroïde. Bonsoir, je suis Yanamu. Voilà. Eh, c'était pas mal, hein. Foiré, va. Ah bah attends, je suis désolé, hein. Donc bonjour à tous les abonnés, donc après ce petit délire qui vous aura pété les tympans, ouais, au sens propre du terme, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce 28e épisode, il y en a au moins un qui fait les comptes ici. Donc ici Yanamu en plein trollesque de Learn to Play après la fin de la dernière vidéo. Nous n'enchaînons pas les tournages, voilà, nous sommes le, on est le 16 septembre, ouais. 2014. Tout à fait, le 16 septembre. Il est 18h15. Ouais, parce qu'on aime. Donc bonjour à toi Learn to Play. Bonjour à toi mon cher Yanamu, bien le bonsoir. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et donc on massacre du portugais. Voilà. Tandis que Yanamu était en train de cogiter pour savoir quelle proposition il allait proposer au Congrès mondial de l'humanité de l'amour. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais proposer au Congrès mondial de l'amour ? Eh bien, je te laisse choisir. Tu veux qu'on bombarde, que je bombarde direct Lisbonne avec les bombardiers ou alors que je m'occupe des bateaux ? Attends, le son de l'ambiance est beaucoup sur trop sur l'armée professionnelle. L'ambiance... Alors, on est désolé parce que j'ai toujours pas installé TeamSpeak. Et Yanamu, va falloir que tu parles, sinon les bruits de fond, ça va me péter les tympans. Ah, mais ça, c'est ta faute, hein. Voilà, hein. Hop, du coup, moi, je monte le son du jeu, rien que pour vous. Hein, voilà, parce que moi, c'est pas assez fort, au contrario. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Alors, oui, qu'est-ce que tu veux qu'on défonce ? Alors, je sais pas trop. Attends, ben pour l'instant, je suis en train de regarder les résolutions que j'ai. Embargo, je peux mettre en place un embargo sur qui ? La Russie ? Ouais. L'Indonésie ? La Mongolie ? C'est les Indonésiens qui sont premiers au classement, non ? Non, pas du tout. Ils sont derniers au classement, les Indonésiens. Ah, je crois que tu as mal regardé, Yanamu. Non, mais les plus forts, là, ouais, c'est Mozek Muta. Mais Mozek Muta, il est déjà... Mais non, qu'est-ce que tu racontes ? Il est déjà... Mais au classement de quoi, pardon ? Tu parles de quoi ? J'ai pas... Le PIB, etc., là. Ah, pardon, j'avais pas compris. Le premier en quoi ? En PIB ? En PNB, tu veux dire. Mais non, t'es combien, toi ? Troisième. Ah, je suis deuxième. Ah ouais, ça doit être un pécor. Un pécor. Ouais, je sais pas. En tout cas, moi j'ai eu un marchand illustre, ça tombe bien, je vais pouvoir encore me faire plus de thunes. Je vais l'envoyer à Kuala Lumpur, mes poteaux de toujours. Et puis voilà, hein. Allez, j'engage comme proposition la religion mondiale, le yanhanisme. Ouais, c'est bon ça, c'est bon. Ouais, alors, Almer. Encore une fois, sur Bukhara, je sais pas pourquoi, mais toutes mes unités sont dissoutes, hein, décidément. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ah non, quand ça veut pas, ça veut pas. je peux... Alors, ensuite. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Non mais qu'est-ce que c'est ce bordel ? Il y a un lance-roquette japonais qui a pété un câble. Japonais, pardon. Oh, je peux pas l'attaquer, je suis deg. Tu bombardes Lisbonne ou pas ? Ah si, je l'ai défoncé. Attends. Ouais, deux secondes. Pour l'instant, ici, je regarde du côté d'Issé parce que là, j'ai une petite flotte. Je fais attention aux Indonésiens, on n'est pas en guerre contre eux, rassure-moi. Non, pas encore. Pas encore. Pour l'instant, on respire. Ensuite, on fait la guerre. Bon, t'engages sur... Ah non, mais... Bah si, engage sur Lisbonne, vas-y toi. Parce que moi, je peux pas, en fait, t'es autour. Je peux pas attaquer. Donc ce que je fais, c'est que je vais attaquer les unités autour, peut-être, et me diriger vers... Enfin... Vas-y, commence. Je vais envoyer mes bombardiers, moi. Je pense que c'est peut-être une bonne idée. Ouh, t'as fait... Oh putain, mais en deux tours, c'est bon. Elle est décimée, là, la pauvre. Hein. Attends, je vais envoyer mes cacolosses. J'ai laissé un trou, t'as vu, pour que t'y ailles, hein. Je suis gentil. Hein. Le trou, là, le petit trou, là, ça fait du bien, le petit trou, là. Oui, non, ça, je sais que ça te fait du bien, mais à part ça, je t'ai laissé un trou, quoi. Non, je ne voulais pas dire ça. Je ne voulais pas. Mais si, tu l'as dit, hein. Non, mais moi, je dis, il l'a dit, hein, les gens. Vous êtes tous témoins, hein. Je vous prends tous témoins, il l'a dit, hein. Alors, mes bombardiers, j'envoie les bombardiers. J'enlève combien ? Oh, j'enlève pas beaucoup, hein.
fort. Hop. Oui. Ah, c'est peut-être on va essayer de réduire le déficit de l'infini. Est-ce que j'envoie les bombardiers sur la ville? J'hésite parce que ils perdent beaucoup de vie en fait. Ah oui, là ils perdent énormément de vie, oui. Elle est super forte, Lisbonne. Bon, allez, c'est pas grave. Par contre, je fais beaucoup de dégâts. Donc, Comme moi, faut que je fasse gaffe. J'ai Oulan-Bator juste à côté. Voilà, là je fais beaucoup de dégâts. J'ai 4 bombardiers furtifs. Mon ami, ça va faire du bobo. Ça va leur faire du bobo dans le. Dans le pantalon. Si ça se trouve, je vais réussir à la capturer. Qui ça? Ben Lisbonne. Oh putain! Déjà oh putain! Est-ce que je vais réussir? Est-ce qu'on y croit? Tu la prends pas ce tour-là, je la prends au prochain tour. Hein. Oh fuck! Non, 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 laisse-la moi, s'il te plaît. Oh, bah, il me faut un pied à terre, hein! Non, 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 sérieux, sérieux, il y a la mule. Pas de ces coups de pute comme ça, hein! Pas ici! Pas ici! Pourquoi? À la maison, ok, mais pas ici! Mais tu aimes tellement les coups de pute! Non, non, là, je suis pas d'accord. Il y a des limites à tout! Elle était sale, celle-là. Non, 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 attends, hein. Non, mais non, je te la laisse. Non, il y a un moment. Non, parce que bon, hein. Je veux dire. Faut arrêter. Putain, mais Lisbonne, comment on l'a défracté? J'aurai la capitale. Après, je pars sur. On part sur Braga, Porto, Coimbra. Après, on partira. Oh, de l'uranium. Ah, bah voilà, c'est parfait. Je vais en avoir besoin pour développer mon parc nucléaire. Avancé, bien sûr. Ah putain, ces bateaux là aussi, ces putains de bateaux de merde. Et c'est vrai que j'avais lancé pas mal de bombardiers, puisque j'ai beaucoup d'aluminium du coup, vu que j'ai plus de route commerciale. Putain, ça va faire du bobo au porte-monnaie. Mais, ça va faire bobo au cœur. Putain, mais là il me barre une route. Putain, l'enfoiré. L'enfoiré là, l'enfoiré. Mais comment il a fait pour foutre un cuirassé sur cette case d'eau là-bas là? Mais moi je veux savoir. On s'est déjà posé la question très cher. Il te faut le raser le porte-avions portugais là-bas. Bah écoute, je vais essayer. En voici les bombardiers, hein, si tu peux rien en faire. Attends. Non, les bombardiers j'en ai besoin pour l'instant. Le japonais bon, complote contre moi au fait. Attends, je construis des trucs. Ah oui, non, mais le japonais complote contre tout le monde. Hein. T'inquiète, il a pris Shimonoseki, il s'est sué. Ouais, mais si tu veux, on a eu des. Il est content, le mec, hein. On a eu des rapports, on va dire, un petit peu tendus ces derniers temps. Oh, oh. Pour pas dire carrément catastrophique. Que le terme est bien choisi. Aucune technologie à voler. Oh, c'est pas drôle. On est au max niveau technologique, qu'est-ce que tu veux voler comme technologie? Je vais essayer de faire un diplomate. La capitale. Bon courage. Diplomate. Voilà, j'ai encore un diplomate. C'est bien, Russie. Ça me fait un délégué en plus pour plus tard. Donc j'ai 15 de bonheur, mais je vais sûrement avoir. J'ai plein de citoyens au prochain tour. Je suis à 238 millions. Alors espérons qu'il ne me sorte pas une bombe nucléaire de son calbut, le portugais, parce que je vais pas apprécier. Je vais pas trop apprécier. Sors une bombe nucléaire. Non. Allez les bleus, allez les bleus. Je refuse. C'est contraire au code martial de. Voilà, hein? De la guerre. Quel code martial? Quel code? Moi je le connais pas ce code. Voilà, fuck les règles, fuck la logique fuck et la fuck logique. La police. Exactement. Bon. Ceci étant dit, putain, les barbares ils ont toujours pas été éradiqués cette terre. Non, ils ont toujours pas été éradiqués de ce continent. Les non. mecs ils ont fait tous les âges, hein? Avec les bifaces là, ils ont fait tous les âges. Tous les âges! Sans exception. Des troupes ennemies ont été. Waouh! Nous ne fournissons plus de chevaux à Moctezuma. Attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends. Ouh putain, il y a trop de trucs. Moi, j'ai pas encore passé le tour. Alors, l'accord stipulant que Bismarck devait nous fournir de l'aluminium a pris fin. Ah, d'accord, c'est pour ça. C'est pour ça que j'avais plein d'aluminium. Ah oui. Ah oui, d'accord. Et. Les dégâts au niveau des unités n'étaient pas encore terminés. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah là là. Bon. Donc. Ouais. Alors, c'est en train de passer chez moi. C'est en train de passer. Ouais. Chez moi, ils veulent des kits girofle et la noix de muscade, tu sais. Putain, il faut qu'ils me filent de l'aluminium. Aluminium. Non. Un âge d'or commence chez moi, tiens. Se réunira, ouais, Théodora Décadalaguerra. Oh, je suis un âge d'or. Ok.
Catherine. Je suis un âge d'or. Putain, bien joué, bien joué. Bah, en même temps, avec tout le bonheur qu'on a eu. Alors, une escouade XCOM, machin, machin. Alors, attends, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, juste refaire les accords commerciaux avec les poteaux, là. Les Allemands, avant de les décimer, échanger, mon amour. J'ai besoin de ton alu. Ah oui, d'accord, il a plus les mêmes conditions, par contre. Il veut de la baleine, il veut du fer, des chevaux, du charbon. Mais il va aller se faire foutre. Ah, j'ai un mec à colosse qui a été détruit apparemment. Allez, fais pas ta gonzesse, je te propose de l'or. Pour de l'or. Putain, si je te donne 20 or par tour, enfoiré. Alors j'ai un puits de pétrole apparemment qui a été détruit. D'accord, aussi. Pour 20 or par tour, cet enfoiré il a accepté. Par contre, c'était peut-être pas nécessaire. Je suis peut-être un petit girafe, peu ruiné. Muscade, ah, mais on est en guerre contre. Ah non, c'est Moctezuma qui m'a envoyé de l'alu. Mais d'accord, il en a plus. Putain, Moctezuma, il perd moins. Enfin, il perd 3200 or par tour. Le mec dans le rouge. Ouah, je peux. Putain, je peux améliorer mon un des chasseurs furtifs. Une attaque supplémentaire par tour. Oh, c'est pété ça. Puissance contre les unités pété, blindées. Ça. L'unité guérie à chaque tour. À chaque tour, pardon. Putain. J'espère que vous avez rien entendu. Puissance de combat plus 33% contre les unités terrestres. Contre les unités navales. Disons que je ne vais pas. Non, ne relève pas, Yanamu, s'il te plaît. est-ce que disons tu crois que celle-là, je t'en fais cadeau, je la relève. Ouais, pas. Ouais, non, allez, c'est bon. Hein, pour le nombre de fois, là, c'est bon. Je prends logistique ou pas une attaque supplémentaire par tour? Ça peut être intéressant, ça. Ou alors, je peux conquérir directement Lisbonne si non, je non, veux. Mais je la prends. Je fais quoi? J'augmente la puissance d'attaque ou alors je mets une attaque supplémentaire par tour? Ah bah une attaque supplémentaire par tour, c'est un peu pété, hein. Ouais, bah du coup j'ai pris ça. Bon, tu peux... qu'est-ce que tu peux faire? Voilà, j'ai fait quelque chose. Alors attends. Je vais envoyer un bombardier. On sait jamais. Ah non, attends, c'est bon. Voilà, 300 d'or, 0 de culture, 6 chefs-d'œuvre. Oh ma maille, 51 de bonheur. Ah mais ça va descendre, dans 2 secondes ça va descendre. Bon, annexer la ville. Hein. Non, 27 ça va, de bonheur. C'est la première fois quand je capture une ville, j'ai plus de bonheur qu'avant. Et t'as surtout récupéré l'uranium, mon oh gars. Oui, putain, j'ai 2 d'uranium. Bombe nucléaire, direct la bombe. Le missile nucléaire de l'amour. Allez hop, y'a pas à chier. Direct, merde. Oh là là là, les amis, c'est le bonheur là. Oh putain, c'est le bonheur. Oh, c'est le bonheur, j'envoie mes bombardiers furtifs parader dans Lisbonne pour fêter ça. Champomy pour tout le monde. Champomy pour tout le monde. Champomy les mecs, champomy. Ça, je fume. Marée première a perdu ça. Sa capitale originale. Je fume. Yann Hamu est le joueur contrôlant le plus de capitale originale. 5. Ça, on contrôle je 5, fume. Quoi. Je contrôle que la mec, hein. Ça, ah mais je c'est fume. Avec toi. Putain, faut qu'il se soigne maintenant, mes bombardiers furtifs, parce que là... Ah oui, j'ai une attaque supplémentaire dans le tour, c'est vrai. Par contre, il faut qu'il se soigne. Hein. Ah ben ça, oui, il faut qu'il se soigne, oui. Alors, un hôpital ici, s'il te plaît. Une fois qu'ils ont fini de tout construire, en fait, je leur fais faire de l'or, comme ça, je suis tranquille. Je suis posé. T'es posé. Je gagne 126 heures par tour, dis donc. Hop, une école militaire. Une banque. C'est la banque. C'est la banque de l'amour. Une banque encore. Ah, ça y est, je peux passer le tour. Je vais sacrifier une unité stupidement. C'est pas grave. Oui, mais tu es stupide en même temps. À mon avis, Lisbonne, ils te le reprennent au prochain tour. S'ils te reprennent Lisbonne, je la prends. Non, 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 ils vont pas me la reprendre, t'inquiète pas. Hein. Ah, allez, j'avais pas vu ça. Quoi? Salut. Bim. Et un en moins. Un lance-roquette en moins. Une petite fée ferme. La petite fée ferme du bonheur. Les petites pop-pommes. Les pop-pommes. Toi, t'as fini, tu vas aller là.
J'en profite pour faire la voie ferrée, hein. Oh bah t'as raison, hein. Oh, toi tu sers à rien ici. Ah, faut que j'aille mettre une unité dans, dans Lisbonne. Ah mais il y en a une. Je suis con, il y en a déjà une. Eh bijou, Je peux pas acheter un tribunal, non? Non, pas direct, pas tant que la ville est en révolte. Ah, flûte. Flûte et reflûte. Combien de temps? 12 tours. Bon, ok, ce sera pas pour maintenant. Mmh. Non, mais ce qui est cool, c'est que j'ai récupéré plein de bonheur, putain, avec tous les chefs-d'œuvre, mon gars. Oh là 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 là. Le Portugal ne va plus. Au prochain tour, j'ai une culture. Une doctrine. Une doctrine. Je vais en profiter pour refaire des bombardiers furtifs parce que je peux en faire. Encore des bombardiers furtifs. Oh, mais merde! Quoi? Ça m'a annulé tous les bombardiers furtifs que j'avais commandés. De quoi donc? L'annulation des accords. Ah bah oui, forcément. Oh, je suis deg. Oh putain, je suis deg. Oh, je suis deg. Ouais, je te comprends. Oh putain, il va me pourrir mon bateau de pêche, en plus le fumier. Allez, passe ton tour, Learn. On va essayer de faire mieux que 4 tours, là. Deux secondes. Vous avez vu comment il est lent, ce mec, sans déconner. Mais attends, attends. J'ai plein de trucs à régler, moi. On se calme, hein. J'ai plein de trucs à construire, je veux dire, bon, hein. Ça va, maintenant. Je vais refaire un sous-marin nucléaire, pour la peine. Parle, Yanamu, parle, vite. Ah, pourquoi je parlerai, moi? J'ai rien à dire, t'es en train de passer ton tour. C'est bon. Non, en fait, j'ai de plus en plus d'abonnés, entre guillemets, amis sur Steam. Du coup, je vois toutes leurs activités chaque fois. Oui, moi aussi. Les gars, sans déconner, le petit cadre en bas à gauche, il est pas fait pour vous, quoi. Non, mais ça, tu peux l'enlever, ça, normalement. Tu l'enlèves. Oh, ça, je sais pas comment. C'est une option, tu l'enlèves. Et si tu prends Braga, là, tu récupères tout, là. Tu récupères du bétail, de la pierre, de l'argent. Ah ouais, bah là, je me fais plaisir. Hein. De l'aluminium, 8 d'aluminium, t'imagines? Putain, ah ouais, complètement, ouais. C'est bon, ça. Oh, orgasme. Orgasme. Oh, putain. Jouissance ce mec, ultime. Ce mec est trop con. Oh, tu te calmes, hein. Non, parce que c'est qui tient la culotte, là? Hein? Hein? Alors, certes, hein, en population, je suis d'accord, c'est toi. Hein? En récolte, hein, c'est moi. C'est qui le papa ici? En produits manufacturés, c'est toi. Oui. En PNB, c'est moi. Oui. En territoire, c'est toi. Oui. En approbation, c'est moi. Et en alphabétisation, non, tu sais, c'est le terme qui était. C'est nous deux, hein. Enculé, c'est nous deux. Moi, je suis à 100%, va te faire foutre, c'est mon point de vue qui compte. Moi, je suis en 100%. Et en alphabétisation, c'est moi. Non, non, mais toi, tu sers à rien. Non, non. Non, toi, t'es le larbin, t'es mon esclave sexuel, toi, c'est ça le truc. Voilà. Ouais, je suis un esclave. Tu veux quoi? Tu veux une guerre avec les Japonais de suite ou bien t'attends un peu là? Non, attends. J'ai Bagdad à les prendre, donc. T'inquiète pas. Moi, c'est quand tu veux que je te mets dans la mouise là-haut, là. Complètement. Mais non, t'énerve pas. Double front, alors là, tu serais trop dans la merde quand même. Non, t'oserais. T'as pas les couilles. Non, j'ai connu. Alors là, ça c'est pas le truc à dire. Ça, c'est, dire jamais... ça. C'est jamais le truc. Faut jamais dire ça. T'as pas de couilles. Et en général, c'est là que le mec. Ah, enculé. Non. Mais t'as dénoncé l'Arabie, on s'en branle. Eh oui, mais prochain tour, je redéclare la guerre. Oh non, pitié, non, pas les Japonais par contre, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Fais pas. Yanamu, fais pas le con. Ou alors tu les captures et hop, on refait la paix direct. Parce non, que. Ils pas à... Ouais, bah ouais, non, parce les que non. Mais là, en fait... à mon avis, ils ont une petite revanche à prendre sur toi. Hein. Ouais, j'ai zéro unité. Ça va pas le faire. Attends, deux secondes, je me T'as refais. T'as 4 bateaux autour de Matsuyama. J'attends de me faire un missile nucléaire et c'est bon. Allez, je passe le tour parce que là, ça fait un petit peu trop de temps. Ah bah quand même. Un quart d'heure pour passer un tour, ça fait un petit peu de temps que nous tergiversons. Un petit peu. Un tout petit peu, voyez-vous. Un tout petit peu. Et en plus, c'est toi qu'on attend, enculé. Hein? Pardon du terme. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, mais il y a un moment là, faut. Hein, c'est vrai, j'ai fait une modification, excuse-moi, j'ai déplacé un mécacoloste proche des frontières de l'Arabie. Mais ça, c'est ce qu'ils disent tous. Voilà. Là, il y en a pour moins que ça. Hein. Pour moins que ça, ouais. ils sont passés par. Hein, tu vois? Par quoi? Par quoi? Voilà. Hein. Non, parce que bon. Hein, pourquoi est-ce que je suis allié avec lui? Pourquoi je peux pas lui déclarer la guerre? Pourquoi? C'est pourquoi? Pourquoi?
Pourquoi ? La fête du roi célébrée, la fête du roi célébrée, la fête du roi célébrée, la fête du roi célébrée est terminée. La fête des rois est terminée de partout. Ah, ça c'est ballot ça. Votre unité d'escom a été détruite. Oh putain, j'ai un bateau de pêche qui a rendu l'âme. Oh le fumier. Le mec, il a pillé le bateau de pêche. Non mais c'est un enfoiré putain. Il l'a pillé quoi, mais il l'a pillé. C'est un putain d'enfoiré ce mec. Non mais sérieux. Il a pillé le bateau de pêche. Non mais il y a un moment c'est chiant là. Putain j'ai déjà gagné. Je gagne des millions et des millions de personnes tous les tours. Bon t'as chargé là? Pas encore. Moi tu sais ça prend son temps hein. Ça, voilà quoi, on n'est pas pressé hein. Allez. Ah bah attends il charge hein, le mec hein. Il charge hein. Oh là là! Nom d'une pipe! Oh, puisque tu proposes si gentiment. Oh non. Oh putain. Oh, Lisbonne est à zéro. Bon. Ah! Ah ouais. Oh, mais. Ah, mais oui! J'avais pas vu les petits. Ouais, d'accord. Je ramène 2-3 lance-roquettes et ce sera fini bientôt, t'inquiète. Vous avez accumulé suffisamment de culture pour adopter une nouvelle doctrine. Bon, c'est bon là, t'as chargé. Ah oui, c'est bon, t'as chargé. Bon. Or, plus 4 pour tous vos routes maritimes, mais ça m'intéresse pas, moi, ça. Eh, c'est, franchement, l'amélioration, la compétence se soigne à tous les tours. C'est pété! Ah bah oui, c'est pété, hein. Ça, on le savait que c'était pété. C'est méga pété. Et le portugais est en guerre contre le japonais, il vient de comment ça s'appelle? De piller une. De déclarer la guerre, de piller, hein. Une infrastructure à l'autre con, là. Oh ben ça m'étonne pas, hein. Tu sais, les japonais, c'est des profiteurs, hein. Profiteuse. Oh, tu l'as même pas décimé. Non. Ah, du coup, moi, je peux rien faire, je peux pas avancer, là. Je vais reculer un peu les troupes, parce que sinon, je vais me les faire décimer, tout simplement. Je vais essayer d'aller prendre les rats et Rwanda, là-bas, là. Rwanda. Bah, Luanda, excuse-moi, mais... parce qu'il y a 4 uranium à côté de Luanda et je les veux. Rwanda. Ce mec est-il sérieux? Non. À aucun moment. Voilà. Un croiseur en moins. Enfin, un cuirassé. Ça fera déjà beaucoup moins de dégâts. Ensuite, je vais devoir décimer toute cette flotte là-bas, là. En fait, vraiment, le nerf de la guerre, c'est l'uranium et l'aluminium, hein. Y a pas à chier, hein. Ah, j'ai un sous-marin aussi qui vient. Ah, bien, ça, c'est bien, ça. Unité terrestre. Contre les unités navales. Ah ça je vais en avoir besoin contre les unités navales. Donc toi tu vas gentiment changer d'aéroport. Tu vas aller à La Haye. Toi pareil unité. Toi contre les villes. Contre les unités navales. Tu vas aller à La Haye également. Et toi tu vas aller me. Ah bah tu vas aller me décimer le mec. Le Jean-Claude qui n'a pas voulu mourir. Ici. Oh putain il va même pas mourir. Ah, le salaud. T'inquiète, j'ai un ou deux mécacolos qui vont s'en occuper bientôt. Ouais, mais bientôt. C'est ça le problème. C'est que c'est bientôt. Au prochain tour, hein. Au prochain tour. Bon, est-ce que je peux l'acheter ce... Ah, mais non, putain, merde. Non, la vie est en résistance encore pendant 15 tours. Ouais, 11 tours. C'est relou, ça. Mm. Bon, j'ai reculé mon mécacolos parce que bon... Du coup, Bismarck, il est enthousiaste. Ah non, avec c'est vous. Bon, le lance-roquette est... Oh, putain, il est... Il est sérieux. Mais est-il sérieux une seule seconde? Du coup, je sais pas quoi faire. Encore des ISCOM? Ouais, si tu veux. Allez, on fait de l'XCOM parce que l'XCOM, c'est bon. C'est très frais. Ici, je vais faire une ferme. Parce que je le vaux bien. Allez, le putain de lance-roquette de mes deux, là. Bah, du coup, je vais en profiter pour contre les unités navales. Hein. Allez, hop. Vous savez quoi, les gens? Je vais accepter ça. Ah, mais c'est sûr. Ouais. Putain, il y a un cuirassé ici, nom d'une pipe. Putain, je vais le décimer. Je descends à 10 de bonheur pendant 25 tours. Mais au moins, le truc, voilà, quoi. C'est quoi, ça? Réclame du poivre, réclame du crabe, du sel. Putain, mais les mecs, c'est des pimps, sérieux.
Bah ouais, sans pime, qu'est-ce que tu crois? On va regarder que c'est qui est enthousiaste avec nous encore. Mosek Mouta des Aztèques est enthousiaste. Mosek Mouta réclame du clou de girofle. Ah lui, il en demande des trucs, hein. Purée. De qui? T'allais demander à qui? T'allais mendier chez qui? À vous. Mosek Mouta. Je suis allé mendier chez Mosek Mouta. Ouais, attends, je vais aller pour négocier Mosek... pour le oui sur la religion mondiale. Mosek Mouta. Attends. Ah, il a de la truffe, le Mosek Mouta. What? Non, je crois pas. Ah si, quoique... Ah ouais, non, attends. Il me réclame de la baleine, des perles. Ouais, mais les perles, j'en ai pas assez. L'argent et la baleine, à la limite, ouais, mais... les perles... Allez, je passe que YOLO. Non, attends, je vais lui proposer de l'argent. Ça, il a accepté. Il a accepté. En fait, avec de l'argent, tout passe. Tout passe, ouais, avec de la thune. Ouais. Résultat, il va y avoir une fête du roi, vu que je leur ai filé la truffe. Allez, pendant 25 tours, j'ai un petit peu moins de bonheur. Je suis qu'à 18. Oh, je suis à 27. Mais je me suis logiquement assuré le oui au yananisme. Je m'assure le oui au yananisme. Le yananisme. C'est le yananisme. Non, c'est le la religion mondiale. Tout le monde met oui pour le yananisme. Prochain congrès. Je suis bon, hein. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Ah ouais, non, je suis carrément bon, hein. Je vais nous faire un petit croiseur lance-missile à Véro. Pendant ce temps-là, Suo. Pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Tu tournais la crème fraîche. J'attends que ton tour passe. Non, tu en battais fait, la crème fraîche. Pourquoi j'ai dit tourner la. Oh, je battais quoi comme crème fraîche? Non, pas celle-là, Yanamu. Pas celle-là. Non, pas celle-là. S'il te plaît. Moi. Pas celle-ci. Bon, tu passes ton tour, ouais. Non, attends, j'ai juste un dernier truc à construire. Allez, you suck. Ça va me faire de l'argent. Allez, tour suivant. Ouah, comment c'est devenu long. Mais une fois que le problème portugais sera réglé, tu vas voir, ce sera déjà plus rapide. Oui, c'est sûr. Je parie qu'au prochain tour, il sera plein de la ville, moi. Non. Ils ont pas d'unité terrestre. À côté. Tu sais, une petite téléportation, une petite unité comme nous, là, escouade machin bidule, et c'est bon. Non, mais hein, avec les bombardiers furtifs, je vais lui décimer ces troupes-là. Une fois que ces bateaux ont disparu et ces unités, il aura pas le temps d'en reproduire, vu qu'il est dans le rouge total. Ah, oh, mais c'est pas grave, ça, t'inquiète, ils en produisent, hein, c'est un bot, oublie pas. Hein. Ouais, mais... Ouais, ça, d'ailleurs, c'est complètement abusé. Hein. Mmh, complètement. Non, mais la matrice, là, faut qu'elle arrête. Mais, je me déplace, le jeu me remet à un endroit, tu sais. Alors. Ouais, moi, je suis en train de passer le tour, c'est pour ça, tout doucement, bon. Mais sûrement. Oula, par contre... Alors, attends, je laisse charger toutes les infos, parce que... Déjà, mon compte en... Oula. Alors, votre escouade. Ton compte en banque vient de passer au rouge. Destruction d'une plateforme offshore par un sous-marin. Oh putain. Il y a vraiment un enfoiré qui a fait ça, quoi. Ah bah, un portugais, hein. Eh, les habitants de Breda sont comblés, il y a une fête du roi. Bon, alors. Les troupes ennemies ont été repérées près de Bukhara. Bon, attends, je laisse le chargement parce que... Ouais, moi aussi, parce que là, c'est le chargement de l'infini, là. C'est pire que le chargement de l'infini, là, c'est... C'est l'hécatombe du chargement. C'est le chargement de l'amour. J'ai quand même 300 de culture, quand même, partout. Hein. Oh, Bukhara. Ah ouais, en effet, ouais, blindé moderne, il attaque, là. Gajamada complote contre Learn to Play. Oh merde, ouais, mais de toute façon, ils complotent tous contre moi, les salauds. Un ennemi est proche. Alors, attends. Attends. Ça, je m'en bats les cacahuètes. Oh, les chargements de l'infini. Alors. Machin.
D'accord. Oh putain, il m'a volé un ouvrier avec un vieux blindé. Oh putain, et destruction d'une plateforme pétrolière. Oh putain, relou. Et en plus, oh fuck. Merde. Faut que j'achète un bateau atelier. Deux bateaux ateliers ici. Ah. Oh, je peux acheter. Oh putain, je peux acheter des marchands illustres. Avec de la foi. Sérieusement, attends, je fais ça direct. Bah oui, tu fais ça direct. Ah mais non, mais c'est pas dans toutes les villes. Si. Achat impossible tant qu'une autre unité est postée dans la ville. Ah mais attends, ça peut se régler. Hop, un marchand illustre direct. Bim. Bim, direct comme ça, je suis le papa. Attends, mais je vais m'en acheter plein. Attends, mais je m'en achète plein. Attends, c'est quoi ça? Marchand illustre. Ah mais non, mais ça coûte de plus en plus cher. Allez, 1000 de fois, faut que j'utilise ma foi. Putain, je remplis mes coffres. Par contre, je gagne 0. C'est normal? Peut-être. Non, c'est pas normal. Je gagne 0. Tu gagnes Walou. Je ne gagne rien. Tu gagnes les couilles à Toto. Merci, Adamu. Y'a pas de quoi, c'était le commentaire hyper instructif du jour. Ah ouais, non. Pas plus instructif que ça, en effet, oui. Alors... Voilà, un cuirassé en moins qui arrêtera de nous péter les couilles. Utrecht, qu'est-ce que tu vas nous faire, Utrecht? Ah bah tiens, un aluminium en plus. Putain, mais le salaud, il m'a volé un ouvrier, l'autre. Oh, fait chier. Oh tiens, la Russie est en guerre contre les Arabes et le Japonais. Putain, le foiré. Si la Russie menace de prendre Bagdad, je t'avertis, j'envoie direct. Hein. Attends, oh. Fais pas le con, Yannabu. Réfléchis bien. Oh putain, je peux pas aller chez moi, quoi. Ah, les Japonais. Fait chier. Lol. Ah, t'as dû en acheter un paquet, toi, de marchands illustres. J'en ai acheté 2 ou 3. Ouh, les cités-états commencent à me chauffer les oreilles un peu. Je vais pas risquer de les détruire. Je vise quoi en premier, les unités terrestres ou les bateaux? Les bateaux peuvent bombarder. Ouais, mais... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, il y a que les cuirassés, non, qui peuvent bombarder. Les croiseurs lance-missiles, je suis pas sûr qu'ils puissent pas. Bon, au cas où, je vais défoncer les cuirassés en premier. Au fait, tu construis un bateau atelier, mais t'as un croiseur lance-missile juste au-dessus portugais, donc tu fais une bêtise là. De quoi? T'as construit un bateau atelier à Nijmegen, mais t'as un cuirassé juste au-dessus. T'as un croiseur lance-missile juste au-dessus, quoi. À Nijmegen, c'est où ça? Le mec, il connaît même pas son territoire. Non, mais je l'ai laissé dans la. Tu l'as laissé dans la merde, ouais, c'est bien ce qu'on dit. Non, je l'ai laissé dans la ville. Oh putain, il m'a pourri un autre bateau de pêche, c'est pour ça que je gagne plus rien. Attends, je vais en racheter un. Et je passe le tour. Bateau atelier. En même temps, moi, je suis pas vraiment en guerre. Hein. J'ai deux... Putain, moins 20, je là. Je tenais colosse de l'amour qui se battent là-haut et puis c'est tout, quoi. Putain, mais il m'a pété 3 bateaux de pêche, le salaud. Eh oui. J'adore Kuala Lumpur avec le métal colosse de l'amour. Non, mais je vais gentiment aller lui dire d'aller... Attends, merde. Non, c'est... Tu vas gentiment aller lui dire quoi ou juste d'aller se faire foutre? Exactement. Oh, je suis pas assez loin. Fuck. Ouais, ou t'es trop loin. C'est vrai qu'eux, ils sont pas... Ils sont... oui, je suis trop loin. Bon, qu'est-ce qu'on prend comme ville, les gens? Lunda ou les rats? On va prendre Luanda. On va se faire un petit pied de terre là-haut, histoire de pouvoir bombarder nucléairement le Japon à distance. Nucléairement. Attends, j'envoie un méga colosse. El méga colosse. Ils avaient masse d'uranium en fait, les Portugais. Oh putain, évidemment, son sous-marin. 95 de. Putain, mais t'es sérieux. C'est ballot.
Ah, je peux. Maritimement, tu peux pas gagner contre eux. Hein. Bon, si, je leur envoie mon missile nucléaire dans la tronche quand j'en aurai un. Techniquement, bientôt. Techniquement, un jour peut-être. Un jour, ouh, missile viendra. Exactement. Un jour, il frappera. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Un jour, le prince viendra. Je suis là pour toi. Ah merde. Ah non. T'avais pas calculé ça. Ah non, ça c'est pas dans le script. Ah non. Y suis pas d'accord, hein. Comment ça t'es pas d'accord? J'y suis. Mais t'as pas d'accord, d'accord. Pas, hein. Tu portes une jupe, tu portes une jupe, hein. Alors, tac. Bon, Léon, tu passes le tour. Château. Hop. Voilà, je gagne du bonheur, j'en ai 2 secondes. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il est lent ce mec, mais qu'est-ce qu'il est lent. On a fait 4 tours encore, hein. Et les 36 minutes de vidéo sont atteintes. Non mais 2 secondes, ne sois pas si hâtif. Hâtif, hâtif, ça te nos bien, amis hein. Sont là-bas. Je suis un ent. Tu es un quoi? Mais ça n'a ni queue ni tête ce que je viens de dire. Mais... Tu es un elfe? Un ent. Un ent. Ouais, dans le Seigneur des Anneaux. Un ent. Un ent. C'est pas plutôt dans. Dans Star Wars, un ent? Oulala, je crois que Yanamu va falloir que tu revoies tes classiques. Attends, parce que. Il y a les hobbits, les nains, les elfes, les orques. Et les ents. Oh, mais Yanamu, Sylvebarbe, voyons. Les arbres. Mais oui. Oh, ça s'appelle des ents, ça. Ben oui, les ents. E-N-T. Oh putain. Vous n'avez pas la même orthographe. Oh putain. Oh putain. Non, parce que moi, je voyais Sim Ant. Vous voyez, avec Ant, les fourmis. Quoi? Quoi? En anglais, ant, en anglais, ça veut dire... Ant. Oh putain, ant. Ant. Ant, quoi. Ant. Non. Non, là, non. Je comprenais pas vraiment. Donc oui, tu es une fourmi au niveau de ta vitesse de jeu, ça c'est clair, net et précis, hein. Parce que nous, ça fait juste 20 minutes qu'on se fait oui, chier à t'attendre. Désolé. Mais regarde le paysage ça, mais j'ai tellement de trucs à gérer, c'est n'importe quoi. Les gens, regardez les paysages, regardez-moi ces graphismes en train de charger, c'est comme ça. C'est beau. C'est exactement ça. Ah mais du coup, ça a déchargé chez moi, donc... Mais d'ailleurs, pourquoi on se dirige pas vers Braga, là? Qu'est-ce que tu fais, toi? Vers Braga? Non, moi, je vais prendre Lunga. Mais non, mais c'est pour moi, elles sont pour moi, les villes, là. Oh. Ah, il me faut un pied-à-terre pour pouvoir bombarder nucléairement. Bah, moi aussi, dans ce cas-là, hein. Eh oui, t'auras un pied-à-terre. Ouais. L'Indonésie, t'auras un pied-à-terre. Non, c'est pas l'Indonésie, c'est... Bref, c'est les bordels, là. Théodora, c'est les Byzantins. Hein, si tu ramènes des unités, si tu participes à l'effort de guerre, tu auras toi aussi droit à ton petit pied-à-terre. J'ai 2 unités qui ont été éliminées. Ah, moi, j'ai pas encore les nouvelles du front, donc bon, j'attends, hein, tranquille. Hein, voilà. T'attends un Colissimo, un Chronopost? Tu fais quoi? J'attends la fibre. J'attends la fibre. C'est bien quand même. Bon allez, dans 4 tours, je vais pouvoir lui décimer la tour. Je pense que le missile nucléaire, je vais lui envoyer dans sa putain de gueule vers Porto et tout là. Ouais, si tu veux. Ça va lui faire bobo. Moi, je l'enverrai à Coimbra peut-être pour essayer de décimer un petit peu toutes les unités maritimes qu'il te ramène sur la gueule. Ouais, 2 secondes. Oh putain, c'est quoi ce sous-marin? Oh mais non, je vais encore gâcher un bateau atelier. Alors, le temps de chargement de l'infini. Ici, on va faire une ferme, les gens. On a besoin de nourrir Brest. Voilà. Ici, la petite route commerciale qui va bien. Toi, je sais pas, toi, t'as rien à faire là si t'es sur une ruine, toi. Bah tiens, fortifie-toi-y, t'es mauvais, je serai un explorateur comme ça, inconscient d'y aller. L'ouvrier, tu vas retourner sur ta case de forêt, tu vas aller déboiser ça immédiatement. Toi, tu vas t'installer, mon pote.
prêt à bombarder, voilà, hein, tu peux bombarder au-delà des frontières, c'est cool. Et tu fortifies. Bah toi, tu vas rester dans le coin, hein, mon ami, hein, voilà, hein, tu vas fortifier ici. Alors toi, mon petit chou, mon choupiné, tu vas aller par là-haut. Ton choupiné. Putain, mais il me sort des croiseurs, le type. C'est ça. Ah non, mais c'est ces croiseurs lance-missiles qui me déboîtent, en fait. Ouais, ça, je t'avais prévenu, hein. Putain, c'est ces saloperies, là. Alors, à la Mecque, on veut toujours des caravanes. Ici, on veut des bâtiments. Allez, hop, les gendarmeries, tiens, on va enchaîner les gendarmeries de l'amour. Gendarmerie de l'amour. Bon, bah, il s'est cassé avec mon ouvrier, le connard de tank. Oui, parce que, mis à part pour le barrage de Sivens, les gendarmes, c'est bien. Une caserne. Oh, tour suivant déjà. Oh, je suis déjà en tour suivant. L'air, bouge ton cul. Waouh, on va se calmer. Hein ? Navire marchand. Ah, c'est bien ça. L'Indonésien se place autour de mes frontières avec des missiles nucléaires. Je dois le prendre comment, à votre avis ? Oh, je sais pas, il veut sûrement faire un apéro, je pense. Après, un apéro dinatoire, ouais. Apéro dinatoire ou un barbecue ? Non. Ah, peut-être le barbecue, je sais pas. Demande-lui. Ouais, j'ai un doute là. Envoie-lui un. Juste pour savoir. L'Indonésie, on est comment avec l'Indonésie ? On est neutre. Ah, c'est Il a quoi lui ? Il a de soie. Comme des pierres précieuses. Alors. What le mec ? Attends, c'est quoi ? On va essayer de gruger, d'accord ? Regardez, j'y propose des pierres précieuses. J'y propose 20 fer. J'y propose 50 chevaux, parce que ça sert strictement à rien. Et, allez, 10 de pétrole. C'est tout bonnement inacceptable ! 20 fer, 50 chevaux et 10 de pétrole. Allez, avec, je vais rajouter, allez, soyons fous, 25 or partout. Ah, j'accepte cette offre. Merci, ça va me faire plein de fêtes du roi, parce que la soie, c'est le seul truc que j'ai pas. Voilà. Tour suivant. Attends, moi, je lui décime des bateaux. Oui, c'est vrai, je gagne de l'or et je le distribue. Mais que voulez-vous ? Je suis généreux. Hein ? Voilà. Bon, du coup, cette vidéo va faire une heure, les gens. Hein, j'annonce directement parce qu'on est déjà à 45 minutes. Un petit quart d'heure de plus ou de moins, ça fera pas de mal. Non, mais hein, on fait les vidéos d'une heure. C'était juste la dernière fois qu'on avait fait... Moi, je pensais qu'on allait faire toutes les vidéos à 30 minutes. Au fait, au prochain tour, tu perds Lisbonne, t'es au courant, parce que t'as un bazooka japonais qui s'approche de trop près, là. Ouais, ne t'inquiète pas. Oh, moi, je m'inquiète pas, tu n'as juste plus aucune troupe. Tu sais que tu peux les téléporter, les... Non, mais il y a mes unités, t'inquiète. Bordel, là. Ouais, je vais le foutre là. Je vais les TP. Nous observons. Comment elle s'appelle cette unité déjà ? Attends, j'en ai une ici là. Comme ça, il va se focus comme un con. L'escouade XCOM, ça s'appelle. D'accord. Observons les escouades XCOM dans leurs environnements. Yanamu, il se fait chier. Carrément. Je dis ça, je dis rien. Carrément. Attends, deux secondes. Je dois bouger mes marchands illustres. Attends, à Utrecht. Le squad XCOM à Utrecht. Et Petra, c'est pas déjà construit comme truc, non ? Une escouade XCOM à Groningen. Parce qu'à Groningen, c'est trop bien, Groningen. Lol. Voilà. Bon, je gagne 0. Par contre, là, ça fait mal au cul. Excuse-moi d'être passé par là, mon ami. Hein. Yanamu, voyons. Alors, démographie, je vais pouvoir passer le tour. Tu tends la perche. 254 millions, mon coco. Oh, je vais truquer 160... les élections bientôt en Allemagne. Je suis un enculé, moi. En Allemagne, comment ça en Allemagne ? Ouais, en Allemagne. J'ai un diplomate. Ah oui, tu peux faire... Bah oui, t'es sur une cité-état.
Eh ouais, c'est ça le pouvoir, Non mais je sais pas si t'as vu Kuala Lumpur qui est mon allié, mais je suis à 357 sur 60, ça leur filait un pécasse, hein. Mais oui. Je truc les élections à chaque fois. Vive les enfoirés. Vive. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de pas truquer des élections comme ça. Ah putain, cet épisode sera intitulé les reprises foireuses. Voilà. Dépasser le chacun pour toi, le chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à ton cul. Non, ça le fait pas, ça, en fait. Faut que je trouve un truc là qui rime en roi. Oh putain, le japonais nous a déclaré la guerre. Oh, trop bien, je vais pouvoir aller conquérir l'Allemagne. Enfin, la Bagdad. Ah, ça, Bagdad, bon, ça. You are at me. Ça, c'est pas bon du tout. Ah non, parce que là, à Shimono plus du cul, t'as rien du tout, quoi. Non, clairement, non. Rapatriement. Et j'ai plus que 17 de bonheur, j'étais à 25, putain, oh là là. Ah, je sais pas combien, je suis remonté à 19, là. Ah, je suis à 21, maintenant. Votre tour commence. Kufa, Kufa, Bukhara. C'est là, non, ça, non, ça c'est Bukhara. Votre méca colosse, votre sous-marin décliné. Putain, con. Oh, l'enculé. Ah, oh, j'étais à 25 de bonheur, là, je suis deg. Fais chier. Ah oui, ils nous ont vraiment déclaré la guerre, hein. J'ai perdu tout mon bonheur. Enfin, j'étais... Oh, je suis deg. Pour une fois que j'avais vachement de bonheur. Bon, t'as chargé, là. Docteur Quinn, homme agent spécial, a réussi à truquer les élections de Kuala Lumpur. Ah ben voilà. Ta gueule. Un personnage illustre est né au sein de votre civilisation. Un marchand illustre. Voilà, c'est fait. Les habitants de Muscat sont comblés par votre acquisition de soie. Ils célèbrent une fête du roi. Technologie future, sous-marin nucléaire a été détruit, il était là. Ah, oh, mais c'est rien, ça. Feu. Ah, feu. Non, pas feu. Bon, tant pis, pas feu alors. Hein. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. T'as vu, elle reste en tête, hein. Elle est chiante. Hein. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Attends, laisse-moi faire ça d'abord, garçon. Ah, mais laisse-moi faire mon truc. Mais qu'est-ce que t'as pas avec... Ok. Hein. Paf. Bon, alors là, par contre, rapatriement d'urgence. Oh, paf. J'ai un bateau Kuala Lumpur. Oh, ouais, un navire commercial. Yeah. Oh, génial. Oh, les dégâts d'unité d'un... Non. Puissance contre les unités navales. Ça peut le faire, ouais. T'as d'alerte. Un petit sous-marin, s'il te plaît. Oh putain, là j'ai un... Je suis dans cette caravane. Ah, oui. Pa-da-pa-pa, et nous partons aux Alviens. J'irai où tu veux au bout du monde avec toi. Ah bah si c'est ça alors. Tiens, toi tu vas venir ici et tu vas te reposer. Alors toi tu vas faire une ferme, toi tu vas te la fermer aussi. Là, tu fais un comptoir commercial. Toi tu peux encore bouger, bah tu viens là mon ami, hein, on va prendre Bagdad hein, maintenant. Hein. Voilà, un croiseur en moins déjà. Oh ben l'ouvrier, tu restes là mon ami, parce que bientôt on va avoir besoin de toi. Ouais. La ville est bloquée, d'accord. Alors attends mon pote. Eh oh, Léon. Ah. Il est sérieux, le truc il a zéro de dégâts quoi. Il a zéro de vie je veux dire. Meurs saloperie. Moi j'approche patiemment de Luanda. Ah, je pille ici. Putain, mais ça fait mal. Hein. Toi tu restes là. Ah bah non, tu peux piller, attends. Hop. Reviens là, Léon. Hop, Léon, reste là, s'il te plaît. Toi là. Tu pilles pour te refaire ta vie, voilà. Fuck your life, man. Ensuite, toi. Tu me décimes ce truc. Ah ouais, d'accord. 5, ok.
Toi, du coup, tu vas rentrer à la maison viteuf parce que sinon, tu vas te faire capturer. Hop. Et hop. Comme ça, j'évite des bombardements de l'ERA là-bas au fond. Ah, mais du coup, je peux lui bombarder avec mes bateaux, c'est bon ça. Hein. Si tu vas à Bagdad, mon pauvre, c'est la cinquième guerre mondiale qui s'abat sur les Arabes. Non, sérieusement, hein, c'est vraiment la cinquième guerre mondiale qui s'abat sur les Arabes. Oh, attends. Allez, toi, tu vas pouvoir faire de la richesse. Ah non, tiens, t'as l'épopée héroïque à faire. Tiens. Hop. Plaisance, une gendarmerie. C'est possible. Toi, t'as... Tout à fait. Ça va faire... Ah là là, putain, ça fait plaisir là de rejouer, là. Mon Dieu. Un commissariat. Je sais pas pourquoi là je. Mon dieu, je prends. Je prends mon pied. Tu prends ton pied ou le mien? Je sais pas, tiens. Bonne question. Attends, je regarde. C'est le sédiche. Ouais, il a même pas tilté. Quoi. Toi tu. Ah. Ouais, il a même pas tilté. Toi, ah tu... non, mais il tilte bon. Rien. Non, mais c'est cool, hein, il tilte rien. Là. Tu as raison, c'est par rapport à la taille qu'on sait ou pas. Ah, sacré Yanamu. Non, mais... Tour suivant. Putain, moi, je dois créer des unités, hein, faut que j'arrête, là. Tour suivant. Bientôt, les Arabes ne seront plus qu'un lointain souvenir. Ouais, espérons-le. Bientôt, Shimonoseki ne sera plus qu'un lointain souvenir. Mais non, ça, c'est dans ta tête. Je fais de l'escouade XCOM partout, là. Mmh. Moi je vais être débarrassé, j'allais prendre Lunda. Enfin Luanda là-bas là. Non, elle est à moi. Et c'est celle-là, non, c'est tout. Hein. Attends, je regarde en plus si je me fais pas enfler au niveau des. Oh, il y a l'uranium, mec, j'en ai besoin. Bah moi aussi. Ouais, j'en non, mais toi t'en as en bas, toi, s'il te plaît. Moi j'en ai que dalle ici. J'en ai pas en bas, regarde en bas. Je te laisse Leria, mon gars. Leria. Ah non, je me suis dirigé. Leria, c'est moi qui décide. Ramène, sur mon territoire. Ramène deux unités. Sur mon territoire. Ramène deux unités alors que je puisse te la laisser parce que je vais la conquérir là. Ah ouais, bah attends. J'arrive, mais bon. Deux secondes. Mais putain, ça m'énerve ça! Quoi donc? Le truc automatique, c'est casse-couille. Ouais, c'est casse-burne, ouais. Par contre, fais gaffe, t'as un bazooka qui s'approche vraiment très près de Lisbonne, toi. Hein. Mais t'as pas encore décimé tout ça là? Au lieu de faire les missiles nucléaires, fais des méca colosses. Mais non, il m'en faut un missile nucléaire. Tu veux l'envoyer où? Sur Nagoya? Attends deux secondes. Oh, t'es sérieux? De toute façon, il fait rien. Le mec, il a des colons, tu sais. Y'a pas Kawasaki, y'a pas... Ouais bon, Hiroshima et Nagasaki. C'est dommage. J'aurais bien aimé reproduire un tout petit peu de réalité et bombarder. Ah, on peut bombarder Fukushima, tu me diras, c'est pareil, non? Le gars, tu sais. Reproduction historique à l'identique, bande d'enculés. Exactement. Ah là là, putain, je gagne trop d'habitants, c'est abusé. Bon, on va enterrer notre deuxième... Millions. On va enterrer notre deuxième civilisation bientôt. Avec Bagdad. Bon. Par contre, ouais, les unités, j'en aurais. J'aurais pas assez hein, pour t'aider. Pour m'aider à quoi? Pour aller. Faut attendre un peu. Attendre quoi? Ah, pour là-haut? Ah bah en ce cas-là, je vais me diriger vers l'ERA, mais bon, je vais me faire bombarder un coup par Luanda, c'est con, je me serais positionné différemment. Ça va me retarder, c'est tout. Faut dire ce qui aussi, je les empêche d'envoyer des unités, voilà. Quoi. Tu fais le bouche-trou. C'est pas plus compliqué que ça. J'adore faire le bouche-trou. Non, oh mais non, putain. Pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas, t'étais inspiré à ce moment-là. Pourquoi j'ai dit ça? Bon, tu te dépêches, c'est passé ton tour. Mission commerciale, ouais. 1300 d'or en direct. Et je suis ultra ami. 89 en ami avec Kuala Lumpur.
Je suis à 376. Oh putain, il y a un japonais ici. Mais oui, il y a un sous-marin nucléaire japonais. Attends. Il est en guerre contre Kuala Lumpur, attends, lui aussi. Je le ramène parce que... toi, tu fais là. Et toi, tu... Non, mais t'inquiète, Kuala Lumpur, il a des mécacolosses de la mort dans tous les sens. Il va les baiser, quoi. Allez, tour suivant. Quand même. Ouais, désolé. Ah non, mais il était temps. Moi, je dis ça, je dis oh rien, non, mais c'est vraiment de temps, quoi. J'ai mon bateau atelier, je crois. Oh, c'est pas grave. Il va péter au prochain tour, de toute façon. Non, non, non. Là, avec toi, tout pète direct. Il était sécu. Il était sécu, je jure. Bon, faut que je me finisse tous ces croiseurs de merde, là, au portugais, là. Tous ces bateaux, là, tous ces trucs chiants. Et après, j'irai vers Porto et tout, là. Et après, le japonais. Wouh ! On va rouler, rouler. Le japonais, il y a de quoi rouler dessus, en plus. Hein. Méga reprise transformée. Il y a vraiment de quoi rouler dessus. Ah bah, carrément. Alors, voyons voir. Oh non, putain, Gajamada qui nous déclare la guerre. Ah ouais, lui aussi ? Destruction. Gajamada, oh, c'est putain, qui ? Non, un bateau de pêche, l'enculé, du coup, il en a profité. J'ai plus... Oh, mais Gajamada, elle est à l'ouest. Putain, là-bas. J'étais à 17 de, mal... ah, de bonheur, je suis passé à 9. Ah, moi, je suis toujours à 19 de bonheur pour l'instant. Je suis passé à 9. Oh putain, mais il m'a encore pourri un. Boukara, Aden. Il m'a encore pourri un bateau de pêche. Eh, hey, mais lui, je te jure qu'il va passer un mauvais quart d'heure. Et j'ai un sous-marin qui a disparu. Ah oui, il nous a vraiment déclaré la guerre. Hein. Putain, on peut pas essayer de négocier la paix ? Non, non, pas de putain, suite. Mais il m'a encore pourri un bateau de pêche, l'enculé. On est en guerre contre combien de personnes, là ? Et putain. Il nous reste qui ? Moselle Mouta, qui est enthousiaste. Bismarck, il est hostile. Catherine est enthousiaste. Théodora est enthousiaste. Embargo, c'est tout, quoi. Pays-Bas, merde, la portugaise, elle m'en veut. Religion mondiale, le yanahanisme, j'en mets 4 et le reste, je mets non. Mais non à embargo Pays-Bas, parce que sinon, ça va être la merde. Ah, mais moi, j'ai payé tout le monde pour foutre le yananisme, quoi. Bah ouais, mais... Tu m'embêtes, hein? Je sais, je suis désolé, mais. Bon, bah, je mets 8 noms et 4 pour le yananisme, quand même. Oh putain. Voilà, alors. Gajamada, nous finirons la soirée, pris fin. Gajamada, c'est pris fin. Chevaux. Pétrole. Fournir des pierres précieuses à Gajamada, pris fin. Verser de l'or à Gajamada, pris fin. Fille Jarkata pour jouer notre plan si tu as une déclaration de guerre, d'accord. Oh, il ramène des cuirassés. Mais il le sort d'où, son pognon, putain. Muscat, cri, famine. Ouais, c'est normal, c'est pas encore fait, cette histoire-là. C'est ni fait ni à faire. Toi, tu vas bombarder ça, là-haut. S'il te plaît, merci. Pas moyen d'évoluer, l'artillerie, là. Je saurais pas. Alors, Muscat, on en a rien à branler, ta gueule. Boukhara peut attaquer un ennemi proche, c'est fait. Une correction a été interrompue. XP, donc on va mettre Sentinelle pour lui, histoire de voir plus loin. Et lui, Choc 3. Oh, mais sérieux, mec, mais décède, s'il te plaît. Voilà. Mais si. Ici, donc, on est bon. Et il va me rendre fou. Oh, mais ça mais pour un vieux cuirassé. Ça m'énerve, ça. Chasse. Oh, Bagdad. Oh, Bagdad, ça va être Bagdad. Là, 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 sur ce coup-là, j'avoue, ça va être Bagdad quand même. Hein. Allez, avec les petits pillages qui vont bien, chaque fois, s'il vous plaît, pour vous reconstruire. Et un de moins, déjà. Voilà, toi, tu viens là. Bah, toi, tu fais espace, hein, t'as plus nulle part où bouger. Toi non plus, t'as plus nulle part où bouger. Toi, tu restes là, mon ami.
Toi, mon coco, bah, tu vas rester. Tiens, tu vas aller anéantir ça. Je viens de t'aider là-bas. Où ça ? Au-dessus, là. Bon, on passe le tour par contre et on arrête. C'est que là, ça fait un peu longtemps. Oh, on finit. Attends, je conquis d'abord Bagdad et après on arrête. Ouais, ouais. Ah, c'est l'affaire de 5 minutes. Hein. Toi, tu vas venir par là parce que maintenant on aura besoin de toi. Toi, tu vas encore faire du comptoir commercial, mon pote, il y a que ça de vrai. Toi, tu vas rester là, tu vas te fortifier. L'ouvrier, tu vas le fortifier aussi parce que pour l'instant, c'est hors de question de broncher. Tant qu'il y a les Mongols dans le coin, hein, voilà. Hein. Bon, il y a des croiseurs indonésiens que je vais devoir défoncer. Il va falloir que je reprenne mon pétrole. Il va falloir que je refasse mes putains de bateaux de pêche. Putain, mais il me casse les couilles. Hein. Il me casse les bonbons, l'autre. Hein. Ah ben, en même temps, c'est un petit peu son rôle. Hein. Je veux pas dire, mais... Putain, mon missile nucléaire, il est bientôt prêt, mais... Ouais, t'as vraiment tout à faire, toi, en fait. Absolument tout à faire, ici. Là, tu vas commencer par une écurie, hein. Toi, tu vas faire un aqueduc, histoire de pouvoir progresser un tout petit peu dans ta population. Toi, tu vas nous faire un stade. Non. Ah ouais, j'ai plus qu'une... Ah ouais, d'accord, ouais, mais qui c'est qui nous a déclaré la guerre, là ? J'ai plus qu'une seule caravane. Bonne question. Toi, tu vas faire, quoi. Putain, mais je suis dégoûté, j'avais tellement de bonheur, j'ai plus que 9, quoi. Ouais, pareil, j'ai plus que 9, pareil. Mais en même temps, tout le monde nous déclare la guerre petit à petit, là. Je crois qu'ils se sont aperçus qu'on veut mettre fin à leur suprématie, en fait. Ils t'as ont vu, pas de suprématie. Ouais, déjà qu'ils en aient une. Ah, ça me non, putain, c'est pas ça que je voulais faire. Allez, tour suivant, mon ami. Moi, je profite pour l'instant du fait d'être en total âge d'or. Ah, y a mes villes ont fini bientôt tous les bâtiments qu'elles avaient à faire et commencent à faire des richesses un peu partout. Là-haut, les deux mécacolos, ils font tout quand même. Ils font la loi. Ouais. Ton méca colosse, du bas, pourquoi tu le déplaces pas d'un coup vers le haut, vers Lisbonne, là, comme ça tu pourrais arriver à faire en sorte que, voilà, quoi, il te pille pas de suite. Hein. Le méca colosse que t'as juste en dessous Lisbonne, pourquoi tu le remontes pas de 1 hein. Mais parce que ça sert à rien, sur regarde, la, ils ont toujours pareil, ils ont rien, ils ont pas d'unité terrestre pour me capturer, le truc. Ouais, mais bon, on sait jamais, tu sais, ça peut contrer un truc express, quoi. Bon, tu passes le tour, Léon. Ouais, c'est bon. Tour suivant et on arrête. Bah non, je conquiers Bagdad. D'abord, je prends Bagdad et après on arrête. Ah ouais, mais bon, ça fait 1h02 là, quoi. Pour le plot, Jean-Guy, ça... C'est l'affaire d'un demi-tour. Enfin, d'un deux tours, quoi. Grand max, deux tours. Ah bah ouais, faut ce qu'il faut, hein. Regarde ça, il y a tellement de mécacolos autour de Bagdad que j'arrive même pas à tous les caser. Bon, d'accord, j'accepte. J'accepte, ce sera la fin des... Et des... Ouah, des Arabes, qui, tout simplement. Oh, rejeté. Adopté, putain. Embargo, ça a été adopté. Quoi? Non. Bon, ouais, il m'a envoyé une bombe nucléaire à Shimonoseki, le mec. Putain, il l'a voulu, ça. Il la veut, sa ville. Ah, il la veut, ça. Ce mec est idiot. Ah, mais du coup, t'as le croiseur lance-missile néerlandais qui a pété, non? Non, même pas. Bah, éloigne-le un petit peu parce que sinon, il va péter. J'ai rien perdu, quasiment. Oh, c'est cool, t'as un abri antiaérien. Ouais, je crois. Bah, c'est sûrement, hein. Non, mais c'est bon, hein, moi, c'est passé le tour, hein. J'ai rien eu, quasiment. Il m'a envoyé une bombe nucléaire à Shimonoseki, mais ça m'a rien fait, quoi. Ah ouais, mais dis-toi bien, ils ont tellement voté en masse, oui, contre toi, que de toute façon, même si on mettait tout à non, ça passait pas. Attends, je veux voir. Ça 8, passait pas. Ah non, attends. 8, 6, 3, 8, 3, la Mongolie. 2, 2. Putain, la Mongolie, elle a un problème avec moi, mais... Putain, sérieux. Mais la Mongolie en plus, quoi. Mais sérieux. Les Mongols, qu'est-ce qu'ils me veulent, voilà, saison... Voilà. Bah, t'as vu les Mongols, le territoire qu'ils ont, quoi. Vite falloir aller les anéantir, hein.
Enfin, on veut les faire en dernier, mais ça va être chaud quand même. Hein. Mongol. Quelqu'un d'autre nous a déclaré la guerre ou quoi? Je sais pas. Allez, YOLO, je vais faire ça. Allez, Utrecht. Attends, deux secondes. L'autre, il veut bannir les ressources. Ah, mais sans déconner, mais quand c'est pas un qui nous fait chier, c'est l'autre, tu sais. Toi, va mourir. Ah, on aurait tous voté oui pour la religion mondiale. C'était pas... Ça passait, quoi. Il y a 16, 6, 5, 11, 14, 17, 21, 23... Non, 27. 16 à 27. Ouais, si, si je mettais tout le monde, si. Je vais acheter la aussi. Base militaire, j'ai les moyens. Pour refortifier Shimonoseki. Ah, j'ai perdu un méca colosse là-haut sur les rats. Ah merde. Bon, je vais les mecs ils m'ont barré. C'est super. Bon, ici. Alors, toi tu décèdes. Toi tu décèdes. Oh putain, elle est sérieuse. Toi tu décèdes. Mais non, putain, je vais perdre. Oh, t'es pas sérieux quand même. Si, c'est bon. Il m'a fait peur. Il m'a fait peur, le salaud. Allez, toi, tu vas sur le front. Ouais, prochain tour, Bagdad. Bon, je l'ai bombardé, qu'il peut attaquer Bagdad. Putain, j'avais gagné de bonheur, je suis dégoûté. Et toi, tu décèdes. En fait, ça, je le fais juste pour l'XP. Hein. Ah, je suis gay con, avec les bombardiers, j'aurais pu la prendre direct, Bagdad. Bon, mais prochain tour. Oh, ils m'embêtent avec leur truc là. Base militaire, tiens. Base militaire, base shift. Un musée. On va faire la bourse, hein, les gens, des bourses ici. On veut des bourses. Nous, on veut des bourses bien pleines. L'un tout plein ne dira pas le contraire. Putain, bon. Sous-marin, je. Ah, attends, merde. Il y a un croiseur lance-missile. Je vais aller lui botter le cul. Parce que l'Indonésien, il m'a pourri un bateau de pêche. Je vais l'acheter. Ah oh, bon, allez, on va se quitter là parce que bon. Non, j'ai pas pris la ville encore. Bon. Oh putain, j'ai perdu mon troisième marchand illus, je crois. Ah non, je l'avais sûrement déjà. Non, non, j'ai rien dit. Alors, toi. Au prochain tour, je prends la ville de Bagdad. Ok. Unité navale. Allez, passez le tour. Unité terrestre. Et une fois et tour d'après dès que j'ai pris Bagdad, on se quitte. Ok. Voilà. Ah ouais, t'as bien fait le ménage au niveau des bateaux là, dis-moi. De quoi? Il y a des unités barbares au-dessus de Shimonoseki. Putain. Par contre, tu vas te guérir parce que t'as vraiment plus de vie. Bon, moi je t'attends, Leon, comme d'habitude. Attends, deux secondes. Je lui pète quasiment tous ses bateaux là. Ouais, je vois ça. Donc, ça prend un peu de temps. Oh. Tu m'es passé devant en récolte. Sérieux? Ouais. Tiens, ça t'apprendra. Vieux sac. À l'approbation, je suis dernier maintenant, tu sais. Ça me fait trop rire. J'ai plus que un de bonheur. Un truc de siège comme ça. J'ai plus que un de bonheur, s'il te plaît. Plus que un de bonheur, quoi. Non, mais le truc. Allez, hop. J'avais pas vu que j'avais plus que un de bonheur. Licence d'un personnage juste. Pourquoi il est apparu d'un coup? Ouais, il y en a qui arrivent comme ça. Non, mais genre bien après. Oui, c'est un guerrier illustre. Hein, que t'as eu. Ah ouais? Ah, oh, mais un si, c'est bien illustre, ce que je disais.
J'ai un troisième marchand Indus qui a été tué. Je suis deg. C'est quoi? Ah, ça doit foutre les boules. C'est ça. Quoi un... Mais non, j'ai un général illustre, qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est un général illustre, un guerrier oui, illustre. Mais quoi. Pourquoi il vient d'apparaître comme ça? Parce que t'as fait un acte de guerre encore un, et au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre d'actes de guerre, paf, t'as la hip-hop, les trucs. Ah, je lui ai pété un général. Ça me fait de l'XP gratos. On a technologie future quel niveau? Oh, on sait pas, c'est dommage. Alors toi. Bon, Learn, t'es vraiment trop lent. Mais deux secondes quoi. Ici j'achète un bateau de pêche. Bateau atelier. Ah, et là, toi tu vas aller là. Et tu vas me construire ça. Parce qu'il me faut deux. Attends, j'ai encore des constructions. Hein. Cette vidéo va durer 30 ans. Ça va être la merde pour l'upload. Mais non, mais si, ça mais va. Ah tiens, j'ai un d'uranium. Mais non. J'ai un de... d'aluminium. Et ben bon, bah, dit furtif. Au pire, tu n'en as pas. Une de plus, une de moins. Tes abonnés ne verront pas la différence. Ouais. Troll. Troll, troll, troll. Ouais, troll, 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 là, ouais. C'est troll plus, 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 là, tu vois, c'est... Le méga troll. Bon bah tour suivant. Attends, non. Attends. Ah mais quand même. Attends, Oh, j'y ai presque cru. Hein. J'y ai presque cru, hein. Mais presque, hein. Ah j'avais. Par contre, j'ai l'impression que les Byzantins, ils m'ont déclaré la guerre, non? Tour suivant. Non, non, ils m'ont pas déclaré la guerre. Oh God, mon Dieu. Merde, du coup j'ai pas regardé. J'espère qu'il a pas plu, sinon mon Velux était ouvert. Oh, un Learn Touplé qui prend sa douche. Non mais je veux dire pas dans la pièce où je suis mais. Oh, oh. Non, j'ai cru qu'il m'avait envoyé une bombe nucléaire le type. Un Learn Touplé qui reprend de douche. J'ai plus que 6 de bonheur, je suis deg. Si je mets un missile nucléaire à la mec, à votre avis, je peux atteindre la bombe. Tu l'as récupéré enfin, Bagdad, là? Voilà, à ce tour-là, je la récupère. Plus vite. Ah, il faut ce qu'il faut, hein. Comment ça, plus vite? Le mec, il met 10 000 ans à jouer, il me dit à moi plus vite. Non, mais allô, quoi. Non, mais faut qu'on arrête, là. Il est 1h12 de vidéo, t'imagines? Mais c'est bien, là. On fait encore ce tour-là et c'est bon. Go, alors. Putain, mais l'Indonésien, là, je sais pas ce qu'il a avec moi, mais... Faut qu'il se calme. C'est moi qui vais abroger l'embargo sur le Pays-Bas. Putain. Pourquoi il t'envoie quoi l'Indonésien? Non, relou l'Indonésien. Non mais il envoie... Ah ouais, lance-roquette indonésien et tout, ouais. Il t'envoie des troupes, hein, le mec. Hein. Un ennemi est proche. Hop, sur Bagdad, et toi, tu l'achèves. Bon, déficit. Oh, il a un marchand illustre. Putain, je lui ai quand même bien décimé sa flotte. Oh, il ramène encore des... T'as un gros relou. Nous avons annexé Bagdad. Ah, ils ont disparu du classement. Génial. Oh. C'est le bonheur. Je vais lui péter son marchand illustre. Ça, c'est le bonheur. Hein. Parce que je suis un enculé. Je vais lui péter un sous-marin parce que je suis un enculé. Ah, ça fait plaisir d'enfin annexer Bagdad, quoi. Tu m'étonnes. Cette jouissance. Mais c'est clair. Ce plaisir. Bon. Alors, toi. Toi, t'as un territoire tout noir, toi. Hein. Allez, vas-y, fais là ta ferme. Toi, tu vas venir par là, Léon. Ouh, mais je me suis fait bombarder gravissimus, là. Allez. J'hésite.
coquillage. Alors. Et elle attaque. Et on se rééloigne un petit peu. Alors, l'artillerie de la mort, là, ici, là, qui est ici, elle peut bombarder quoi? Bah lui, on se gaiement. Hein. Paf. Alors, l'ouvrier de l'amour, il y a du boulot, hein, là, sur ce coup-là, il y a du boulot, là. Attends un petit peu, garçon, s'il te plaît. L'ouvrier de l'amour, ici aussi, il y a du boulot, là. Putain. Hein, parce qu'il y a tout à réparer, ici. Faut que je bute ces deux croiseurs. Putain. F. L'ex-squad-x-com, tu vas retourner sur ta mine, comme ça t'éviteras de te faire bombarder bon, encore. Là, faut vraiment qu'on passe, parce que là... Ah, mon missile nucléaire est prêt, qu'est-ce que j'en fais? Bon, j'utiliserai au prochain épisode. Ouais, ça sera bien le prochain épisode. De toute façon, il faut d'abord passer le tour avant de passer... Ouais. Bah, attends, promotion d'unité... Oh. Allez, hop. Macduc. Université, allez, c'est parti. Et tour suivant, je suis bon. Je suis bon. Attends deux secondes. Unité en attente d'ordre. Attends. Hop, un sous-marin en moins. Toi, tu vas te soigner. Ah, c'est vrai que toi, t'en as encore au point, c'est que t'essaies de dégager les bateaux, là, ouais. Ah, mais putain, mais il m'avait niqué mon bateau de pêche ici aussi, quoi. Ah oui, ils ont tous niqué, hein. Putain. Mais je sais pas pourquoi le Mongol nous en veut autant que ça, mais alors... Ah mais c'est Genghis Khan le Mongol, il a lié avec Marie Première, devine pourquoi il nous en veut. Ah oui, putain, c'est pour ça. C'est pour ça. Alors attends, je fais attaquer tous mes bombardiers, et ensuite je suis à toi. Allez, mais crève saloperie. Putain de bon... J'aime bien le cri... Le cri de l'amour du Learn to Play qui déprime complètement. Non, je déprime pas. Bon, ben un peu quand même. Hein. Bon. Toi, tu vas retourner sur Ranger. Allez, putain. Voilà, je suis à 4 de malheur. Voilà. Oh putain, et tour il suivant. A pas apprécié ça. Oh, mon dieu. Qu'est-ce qu'il a pas apprécié? Qui ça, le japonais ou le... Non, un truc, juste un truc. Oh. Donc pour ceux qui regardent mon point de vue, n'hésitez pas à aller voir le point de vue de l'homme. Même pour moi. Enfin, pour Yannick. Hein, vu tout ce qui bouge, à mon avis, il doit faire des trucs bizarres. Ça, c'est dans ses vidéos. Allez, hein. Par contre, là, on passe. Voilà. Et puis on... Parce que 1h17, là. Oh merde, j'ai tapé. Attends, mais ça va être la merde pour upload. Ça va être la merde pour le. Mais non, mais si. Ça va être rigolo. Oh. Non, putain. Fais chier, pourquoi je t'écoute? Je sais pas, moi. Bon, allez, par contre, direct, là, on fait rien. On. En tout cas, les amis, on espère que vous avez apprécié cet épisode du bonheur et de l'amour, de la fin de Bagdad et des Arabes. Et voilà, c'est la fin de Bagdad. Et voilà, bombarder, Lisbonne malgré une défense. Oh merde! Ils m'ont repris Lisbonne! Ça, je t'avais prévenu, hein. On fait encore un tour pour récupérer. Non. Oh putain, ils m'ont récupéré Lisbonne, ils sont foirés. Oh, putain, non. Je vais devoir la reprendre. Bon, en tout cas, voilà. N'hésitez pas à lâcher plein de j'aime, plein de commentaires. Nous, on va devoir se retaper. Putain, j'ai perdu mon... Oh, mon missile nucléaire. Non, c'est bon, il est là. Allez, sur ce, à plus. Donc, merci à tous d'avoir regardé ce très très long épisode qui va rattraper le précédent. Hein, parce que le précédent, il faisait un petit peu 4 tours, quoi. Hein, voilà, donc fallait bien un épisode de rattrapage. Là, on en a fait 10 au final. Donc, merci à vous tous d'être toujours plus nombreux à nous suivre, que ce soit Learn to Play ou moi-même. Merci à tous, on vous embrasse absolument tous. Learn to Play a promis de passer sous le bureau de chacun d'entre vous. Allez, Yanamu. Hein, ça, je tiens à le dire. Donc, merci à tous. N'hésitez pas à mettre des pouces verts, des pouces pas verts, ce que vous voulez en dessous de la vidéo. Et je vous dis... Ciao, ciao, ciao. Allez. À très bientôt.